Desjardins est fier de contribuer à mettre en lumière les jeunes talents. Ça va? Hey mon tout! Ça fait genre une heure que je stresse, là, je suis content, c'est le fun! J'aime ça si je fais un spectacle! Hey, dernièrement, j'ai déménagé avec ma copine. Puis pour vrai, je vous conseille pas de déménager avec ma copine. Non, elle est super fine, mais tu te rends compte que t'étais bien chez papa-maman. Hein? C'est facile chez papa-maman. Tu veux du bacon? Il y a du bacon. Il y a plus de pain? Papa va aller acheter du pain. T'échappes du jus sur la céramique avant d'aller à l'école. Quand tu vas revenir de l'école, ta mère va l'avoir ramassé. Quand t'habites avec ma blonde en appartement, c'est pas vraiment la même business. T'sais. Tu veux du bacon? Trop gras. Madame a acheté des pommes. Y'a plus de pain, Joël va acheter du pain. Y'a plus de jus, Joël va acheter du jus. Y'a plus de lait, Joël va acheter du lait. Dans toutes les fucking cas, c'est Joël qui sort! T'échappes du jus sur la céramique avant d'aller à l'école. Quand tu vas revenir de l'école, elle va l'avoir ramassé. Elle va être en sacrement sur un instant, par exemple. Moi qui pensais que ma mère était sévère. Un ange, ma mère, c'était un ange! Je passerai pas par quatre chemins pour vous dire la vérité, là, on est pauvres, t'sais, on est vraiment pauvres. On étudie à temps plein, donc on travaille à temps partiel, et les rentrées d'argent, c'est limité, c'est limité. Donc, la solution qu'on a trouvée pour subvenir à nos besoins, c'est qu'on vole tout ce qu'on peut. Par exemple, moi, je suis éducateur en service de garde, OK, dans une école primaire, puis, tu sais, les petits macaronis bleus, là, peinturés par les enfants, ça, pff, une fois bouillis, ça coûte pas la peinture, ça. Je m'habille dans les objets perdus. OK, même mes bobettes ont de l'eau dans la cave, mais au moins j'en ai. Tu sais, entre vous et moi, il n'est pas rare que le lunch des amis disparaisse. Comme je l'ai dit plus tôt, on est les deux étudiants. Puis s'il y a une grande responsabilité qui vient avec le travail d'étudiant, c'est que ça fait chier, là, mais tu sais, l'hiver, t'es obligé d'aller dans le sud. Non, mais c'est vrai, les étudiants, on est tous de même. T'sais, hey, on va-tu au McDo? Oh non, là, je suis cassé ces temps-ci. On va-tu en République dominicaine? Ouais, j'ai 1200 pièces dans mon compte! Correct, ça a le droit de vote, ce monde-là, hein. Mais j'ai été, cet hiver, avec ma blonde. Hey, y a un beau voyage, là, de la belle température. On a bien mangé. Je te le dis, si ma blonde t'es pas venue, ça aurait été le voyage de ma vie, là. OK? Non, mais arrêtez, là. Je l'aime, là, de temps en temps. Mais, OK. On a été, c'était le fun, un beau voyage, mais il y a une soirée qui est arrivée quelque chose qui m'a rendu mal à l'aise, tu sais. Je vous raconte, on va au casino, on arrive là, tu sais, puis on se met à casiner, là. On casine, tu sais, tout le monde casine, là. On casine, si, il n'y a pas d'autre chose à dire. On a rien que fait ça. Là, juste avant de partir, on voit qu'il y a un bar. Fait qu'on va au bar, tu sais, on retourne casiner. On va au bar, on retourne casiner. On va au bar, on retourne casiner un petit peu. On va au bar, on retourne casiner un petit peu. T'es cute, toi? OK? Vous comprenez? Donc là, on dit, bon, c'est suffisant, tu sais, on a assez joué. Fait qu'on décide de partir. On va à l'extérieur pour attendre la navette. La navette qui nous apporte jusqu'au lobby de l'hôtel. Fait qu'on attend avec un petit groupe de personnes. La navette arrive, on se met à fouler la navette, on foule la navette, et là, il manque une place. Donc là, le valet dit, y a-t-il quelqu'un que ça tente de s'asseoir avec le conducteur? Hey, mouche, là, ça me tente, ça me tente! Comme si j'avais jamais embarqué côté passager dans un camion, là, t'sais. Fait que je me lève, m'en vais à côté du conducteur, t'sais, et à peine assis que le conducteur me lance une phrase en espagnol. Pour vous mettre au point, ma compréhension de l'espagnol est à peu près aussi bonne que la carrière de chant à Mitsou. OK, c'est rough, c'est bord, là, tu sais. Fait que là, moi, je le regarde, puis vous savez, j'ai été au bord. Donc, au lieu de dire comme, oh non, parler espagnol, non, non. Je le regarde, puis je fais comme, oh, la coco, la kéké. Pour essayer de le déjouer, pour pas qu'il se rende compte que je ne parlais pas espagnol. Hey, lui, n'y voyant que du feu, il me répond quelque chose en espagnol. Moi, je lui réponds quelque chose en espagnol. Lui, on joue au ping-pong de même, en espagnol, pendant tout le trajet. Ça fait peut-être 5 minutes qu'on joue au ping-pong espagnol que dans sa phrase, j'entends le mot radio. La radio. Je connais la radio! Et je pars à la radio, je te mets ça dans le tapis. Dans la coco, dans la cake, dans la coco, dans la cake. Je descends la fenêtre, je chante mon torse au complet, je faisais danser le monde dans la navette. Hey, on avait un fun noir, je te dis, toi. On arrive au lobby, tout le monde débarque, et là, je comprends qu'il parlait au téléphone. C'est pas moi qui parlais. Crotte.
Écoute, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'il devait se dire dans sa tête, parce que c'est sûr, là, c'est sûr qu'il a parlé de moi au téléphone, c'est inévitable, tu sais. Il devait dire quelque chose comme « Hey, mon frère, tu croiras jamais à ce que j'ai dans mon camion? Il y a un schizophrène dans mon camion. Il est pas bien pantoute, il entend des voix, il parle tout seul. C'est même pas drôle, voilà qu'il allume la radio, il fait une incantation vaudou. Ah, voilà qu'il sort son tour du camion, il se prend pour un oiseau. » Pour la deuxième partie de mon numéro, je vais essayer quelque chose avec vous que j'ai jamais fait encore. En fait, moi, dans la vie, j'ai une passion, c'est l'improvisation. Puis, je suis comme vraiment bon, là, OK? Je suis vraiment bon, là. OK? Ça accroche, là. Puis, j'ai toujours voulu faire ça avec un public. Puis là, Cégep en spectacle, c'est fait pour ça, en se planter. Fait que je vais essayer ça. En fait, ce que je vais vous demander, c'est de me lancer des thèmes globales, là, comme le mariage ou l'agriculture. Moi, je vais prendre ces thèmes-là, puis je vais essayer de faire des blagues avec ça. OK? Fait que, allez-y. Justin Bieber? OK. OK. OK, on va jouer à autre chose. J'ai préparé un autre jeu. C'est stagé, là, vous êtes cons. OK. J'ai des blagues, OK, ici, avec des thèmes que j'ai décidés. OK? Puis dans le fond, vous allez quand même avoir un rôle à jouer qui va être le fun, là. Moi, je vais lire une blague, OK? Puis si vous l'aimez, vous faites du bruit. Si vous faites du bruit parce que vous l'aimez, je vais le mettre dans le pot « Ils ont ri ». OK? Puis si vous ne faites pas de bruit parce que vous ne l'aimez pas, je vais le mettre dans le pot « Ils n'ont pas ri, tu n'es pas un bon humoriste, je te conseille fortement de changer de job et de travailler dans l'agriculture puisqu'il manque de main-d'œuvre dans ce domaine. » OK, le premier, c'est un jeu de mots. OK, je l'aime, celle-là, je suis content. Un jeu de mots. Ma blonde se plaint que j'ai un petit spaghetti dans les culottes. Je lui dis qu'au moins, et les raviolis? OK. Le prochain, injustice. Les scènes noires ont disparu, mais pas ma belle-mère. Oh boy. OK. OK, le prochain, c'est une blague de voiture, une blague sur les voitures. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il faut mettre un condom si on fait l'amour dans une Mazda protégée? OK, le prochain, une blague déplacée, une blague... Oh, rough and tough, celle-là. OK, je la fais-tu? OK, c'est moi ou la Fondation Rêve d'enfants, là, ça fait des enfants gâtés? Vous êtes écœurant de rire de ça. OK. Ouais, c'est ma dernière, OK? Une blague déplacée encore. On finit-tu là-dessus? Avec le succès de la dernière. OK, une blague déplacée. Vous connaissez le concept des blagues toc-toc-toc? OK, toc-toc-toc. Hélène? Hélène est le divin enfant. Chantons tous en la même michette. C'était une blague déplacée. Hey, merci beaucoup tout le monde, je vous laisse là-dessus.